Et bonjour à tous, c'est Jakoff. Alors aujourd'hui, je vous fais un petit test d'un de mes tabacs préférés de la marque Starbuzz. Un excellent tabac pour la plupart qui l'ont goûté. Il fait partie de mon top 5 personnellement. C'est le Starbuzz Safari Melon d'eau. Donc un vrai délice. Déjà rien qu'à la boîte, ça donne vachement envie. Donc déjà un premier point sur la première impression. Ensuite, à l'intérieur de ce pot, donc on a un sachet avec un tabac brun, presque un petit peu orange, je dirais, avec une découpe moyenne. Le tabac n'est pas vraiment juteux en lui-même, mais il est très gras, très collant. Voilà. Donc pour ce qui est de l'odeur, j'ai envie de dire, ça sent purement le melon jaune, et moi j'adore ça, le melon jaune. Je pense que c'est ce que je préfère avec la pastèque. Et là, on retrouve vraiment un pur parfum. Donc au niveau de l'odeur, je lui donne plus un point, sans problème. Donc maintenant, on va passer à la fumée et au goût. Donc franchement, vous n'allez pas être déçus par la fumée, je pense. J'espère que la luminosité sera bonne aujourd'hui. Donc allez, c'est parti. Donc vous l'avez peut-être remarqué aussi aujourd'hui, configuration un petit peu différente. Donc l'ami AQT2 avec vase ambré que j'ai reçu hier, Douille Vortex que j'ai reçu également. Donc je me suis dit pourquoi pas faire une petite session pour tester le tout. Donc voilà, aujourd'hui pour vous, l'ami AQT2. Donc au niveau de la fumée, comme vous pouvez le voir, on a une excellente fumée. C'est vraiment terrible. C'est un très bon Starbuzz au niveau de la fumée. Je lui donne sans problème le point pour la fumée. Maintenant, on va passer au goût. Je vais encore tirer quelques lattes, histoire de tirer le maximum de saveur. Le goût c'est un vrai délice. En vrai, on retrouve exactement l'odeur qu'on a dans le pot, un bon goût de melon jaune, vraiment très impressionnant. Le goût est quand même bien prononcé. Franchement, moi, je trouve que c'est un excellent tabac, donc je le conseille à tout le monde. Essayez-le une fois au moins, si vous avez l'occasion. En tout cas, vous êtes de plus en plus d'abonnés sur ma chaîne, ça me fait super plaisir. Donc continuez comme ça, si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner. Et pensez aussi à me regarder en HD. Donc j'espère qu'on se retrouvera bientôt pour de nouveaux tests et que celui-là vous aura plu. Allez, bientôt.